Parrainage au toit à la présidentielle, ça pourrait faire un gros titre de la vie. Kersinoise, Monsieur Bonnemère, quand il cachait sa particule, avait osé un retentissant le miracle de Montcuq avec le maire, l'écrivain et la préfète. Si, c'était en 2016. Miracle entre guillemets, quand même, mais sur Internet, il avait remplacé le terme Montcuq qui était dans le gros titre par le miracle de la ville, ça rimait un peu moins. L'écrivain, c'était moi, et le maire, c'était déjà Blablabarde, comme on le surnommait déjà, la barde sur les papiers. Donc le maire de Montcuq ne parraine pas le candidat de Montcuq en Cubé, bien qu'il reste quelques jours, je peux l'annoncer, en précisant, sauf miracle de dernière minute, oui, ce serait un nouveau miracle de Montcuq. Par exemple, s'il pariait une grosse bagnole avec le patron d'une société bénéficiaire des contrats sur la commune. Par exemple, ceux du cœur de Montcuq passaient de 600 000 euros prévus en 2016 à 1 800 000 euros en 2021, réalisés, oui, multipliés par 3, principalement pour du macadam qui va encore augmenter la chaleur du côté de Montcuq. Si, si. Je vous conseille néanmoins la lecture de mes bouquins, celui sur Montcuq en Cubé et les deux sur la présidentielle. Ma démarche de France harmonieuse, même si on peut douter dans cette approche que Montcuq soit toujours dans la République. Et oui, un maire de tête de liste, de l'unique liste dans la commune nouvelle, ce fut la seule dans ce cas de candidature, avec visiblement l'approbation de Monsieur Bonnebert, qui n'avait pas passé mon interview, sans préciser s'il s'agissait d'un conseil de son ami Comon Patrice ou une initiative personnelle de médias objectifs et mesurés, Comon Patrice étant désormais un maire adjoint, un ancien maire adjoint de Montcuq en Cubé, et étant maintenant simplement un simple adjoint, mais il semble encore avoir du pouvoir. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq, hein. En tout cas, j'ai vécu une fois, ok. En tout cas, j'ai vécu une fois, ok. En tout cas, j'ai vécu une fois, ok. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Dommage, je ne suis pas à cette époque.